La victoire ou l'élimination. Bienvenue dans ce match dont l'enjeu est un peu plus clair. Cette phase de poule a livré son lot de frissons, de surprises, mais désormais, seul le résultat compte. Il règne ici une ambiance incroyable entre tension et excitation. Lors de l'échauffement qui s'est conclu il y a quelques minutes, on a pu voir beaucoup de concentration. Les joueurs étaient déjà dans leur match, le regard fixé sur l'objectif. Espérons que le jeu sera à la hauteur de l'enjeu. Amsterdam est une ville qui vibre, où il se passe toujours quelque chose, et cette Johan Cruyff Arena en est le reflet parfait. C'est le moment de l'hymne national des Pays-Bas. Il faut gagner, c'est certain. Et je me demande quelle tactique ils vont adopter. Eh bien, je pense qu'ils vont attaquer très fort dans ce match, en mettant beaucoup d'intensité dès le départ. On joue haut, en faisant un gros pressing, histoire de chercher à ouvrir le score rapidement. Ça serait d'ailleurs le scénario parfait. On va voir ce que nous réserve ce match. Ça défend comme ça peut. Adémi. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. C'est Pandev qui centre. C'est bien repoussé, un peu d'oxygène. Peut-être que l'occasion pour Pandev. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs là. Il ne faut pas se mettre dans de telles situations. Ça vous met en difficulté. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Pandev, un moment de pure inspiration. Il n'a pas tremblé, formidable. Oh, quel geste, c'est magnifique. Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était, après, rien à dire sur l'exécution. Il n'est pas pu aller au bout. Dans la profondeur, c'est dégagé. La passe est précise. Oh, le bon ballon! Faut tirer là! Les filets tremblent, c'est dedans! L'égalisation des Pays-Bas! Le gardien a sans doute été masqué par sa défense et il n'avait plus le temps de réagir. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score ?
C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. Les joueurs rentrent donc au vestiaire sur ce score de 1 partout. Rien n'est joué. Bien servi. C'est joué dans la profondeur. Il reçoit le ballon. Et cette tête, la transversale qui vient l'aider. Ça passe à côté d'un rien. Ah, c'est pas possible, c'est hors la barre. Physiquement dans ce duel, elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Ça va sur l'aile. Il y a peut-être un coup à jouer. Le coup de tête, il est dessus. Et le bon dégagement. C'est le moment de centrer. Nouveau. Allez, c'est dangereux. Et le gardien est présent. Memphis Depay reçoit le ballon. Il est sur le côté. Le centre est parti. Bonne intervention. Il peut y aller. C'était une bonne occasion, dommage. Oh, Memphis Depay. Memphis Depay. À droite. De Roon. Depay. C'est terminé, l'arbitre qui met un terme à la rencontre. Et au bout du compte, aujourd'hui, deux équipes qui ne sont pas parvenues à se départager. Les entraîneurs ont tout essayé, les joueurs tout tenté. Mais on s'est quand même régalé devant ce spectacle. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Le constat est clair, les deux équipes se sont neutralisées. Mais en ce qui me concerne, je ne me suis pas ennuyé. Merci à vous, Darren. C'est terminé pour cet après-midi. On se retrouve très vite. Merci, Grégoire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Yeah.